exemple. Ça a l'air parfait, hein.
Je tourne cette séquence vendredi matin, donc le matin même de la publication de cette vidéo. Et pour la première fois depuis le début de cette série autour de la fabrication de l'atelier, la réalité rattrape la vidéo. On n'a pas pu avancer cette semaine. On devait faire la toiture et puis on a eu de la pluie, on a eu du vent. On a eu un coup de mou pour ça aussi, je suis tombé malade, mais ça c'est une autre affaire. Bref, autant on a pu composer avec la météo qui a été globalement très bonne depuis le début du chantier, mais ici c'était pas possible. On était censé couvrir, mettre l'isolant, et on peut pas se permettre de glisser de l'isolant mouillé. Alors vous imaginez bien que ça va être le sujet de la prochaine vidéo. En attendant, je ne résiste pas à vous faire un petit tour. Ici à gauche, on a l'une des arrivées, celle que vous me voyez emprunter avec le tracteur. J'arrive à zigzaguer entre les arbres et à amener des boîtes plus de 5 mètres. En parlant de bois long, ici, on a le tas de chevrons qui va venir se mettre dans la prochaine vidéo sur la toiture à ce niveau-là. Les chevrons vont me permettre de glisser 20 cm de laine de bois et par-dessus, en starking, c'est pour ça que vous avez tout en haut une panne faîtière qui est rehaussée, qui va correspondre à l'épaisseur de tout cet isolant cumulé. On aura également 10 cm croisés en laine de bois rigide qui vont venir par-dessus. Alors, ici, j'oublie, je vais vous faire le tour aujourd'hui. Donc, on arrive de là, c'est l'une des entrées possibles. On a à ce niveau-là une grande entrée qui, pour le moment, bon, on peut encore passer à travers les murs. Une grande entrée qui va débarquer sur l'espace atelier établi où il y aura les deux machines là-bas. Dans cette partie gauche ici, on aura toutes les grosses machines. Et dans le coin là-bas, c'est mon bureau qui sera accessible par une porte à gauche avec la trémie qui nous permet de descendre en bas. Il y aura le stock de bois, l'aspiration. Sur le haut, ici, vous nous avez vu beaucoup travailler sur cette grosse poutre qui est une poutre extrêmement importante dans cette vidéo. Là-bas au fond, le fameux trait de Jupiter du début de la vidéo. Cette poutre ici est très importante d'une part parce qu'elle porte la mezzanine. Elle porte la mezzanine. Il n'y aura pas énormément de poids sur cette mezzanine. On est sur un solivage beaucoup plus raisonnable. Mais elle va également servir de refend à ce mur qui est ici. Alors, si vous comprenez bien, je vais essayer de vous montrer ça. C'est globalement, les murs contreventés ici dans les cloisons qui servent de refend au niveau du bureau. Cette poutre ici sert de lien sur ce pignon et donc va également le contreventer dans l'autre sens. Bon, je vous ai beaucoup secoué. J'ai les mains juste gelées. Je suis très très content qu'on n'ait pas travaillé cette semaine. On attaque normalement dès lundi prochain. On devrait avoir une météo pas si simple, mais qui va nous permettre de couvrir. Ce qui fait qu'après, quelque part, on sera à l'abri au moins de la pluie ou de la neige et on pourra avancer sur des choses comme les petits intérieurs ou découper nos bois au sous-sol sans être contraint par les intempéries. Je vous souhaite une excellente semaine. À très très vite. N'oubliez pas que si vous voulez suivre l'actualité de ce chantier, ça se passe sur Instagram. J'y poste des photos dès que c'est possible. Il y en a en général 2 ou 3 publications par semaine. C'est également possible sur Facebook. Donc, allez voir, abonnez-vous à ces réseaux sociaux. Le petit côté instantané est très sympa. Et puis, comme d'habitude, vous savez que les likes, les commentaires qui ont plu, c'était un vrai déluge sur les dernières vidéos, ça fait extrêmement plaisir. Quand on a vos réactions, c'est quelque part la petite récompense du créateur de contenu. Allez, c'est parti! Arrête, moi je lance sur ta case. Ah, mais moi je lance sur toi! Et ça, le chien là-bas, c'est le nouveau chien de la maison. Allez, bonne semaine! Ciao, ciao!